أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 38e حديث rapporté par سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه. Alors, سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه, grand sahabi, nous explique un petit peu le holi, quelques temps de cela. Et il est donc qu'il reconnaît comme étant un parmi un grand mujtahid mufti dans ça veut dire dans l'état islamique après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu l'est un parmi 17 ban mujtahid, ça veut dire comme on me t'explique juste l'autre fois là, et ça il nous a fait important nous comprendre, pour nous comprendre un petit peu fiqh. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu lit ensemble l'est parmi 17 ban grands sahaba qui ont spécialité, c'était ijtihad, c'était sharia, ça veut dire fiqh. Je t'en apprends beaucoup avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et donc je t'en apprends une autre qualité que je suis capable de prendre le Coran, je suis capable de prendre hadith, prendre sunnah, prendre une pratique, les autres sources sharia, je interprète les, je tire un règlement là-dedans. Et ben les autres sahaba, tu peux aller les autres ou ben masla. Tout sahaba, pas tu mujtahid. Alors, après Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ben les autres sahaba, tu peux aller les autres. Alors, ça, tu pas tout, tu es dans Makkah, dans Madina. Donc, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, l'ici dans Koufa. Et là, fin arrive l'évolution, comment je t'explique juste le fois là. Et à travers lui, donc, finena, un de ses élèves, par extension, après finena, Imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi. Et donc, fondateur, plus grand école fiqh, premier école fiqh. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, une spécialité qui m'a pas tiré si j'ai juste le fois là, c'est qu'il lit l'ici sahibun na'alain. L'étipé trappe Rasoul sallallahu alayhi wa sallam sur sa vat, sur son dalet. Il reste bien proche avec lui. Pas oublier du monde qui reste plus proche avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. C'était Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Et nous trouvons qu'il constate, il prend ce sunnat, il reste ferme là. Et donc, l'étipé s'envoyé sur Nalen, sur sa vat. Quand il y allait, l'étipé redonne l'occasion pour lui prendre sa vat de Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il gagne ça lié en héritage. Ça veut dire. C'est ce qu'il a gagné parmi les petites choses avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça montre nous ce qui quantité il était proche avec lui. Donc Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, on va nous trouver les types aller venir contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il dit dakhaltu ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa fin rad contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yu'aqu. Et les malades, les bien malades, ils ont une grosse fièvre. Fakultu ya Rasulallah, mufinjali ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, innaka tu'aku wa'kan shadida. Ou bien malade, ça veut dire ça, la fièvre qui est là, ou là, une extra grosse fièvre. Qala ajal, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, jali oui. Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Moi, ça malade qui m'a gagné là, ça la fièvre qui m'a gagné là. Li équivaut la fièvre des 10 mounes parmi eux. Qultu, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, dit, Mufin dit, Dhalika anna laka ajrain. Ça veut dire qui, ou pour gagner des sawabs, Qala, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, répond, Jali ajal, Dhalika ka dhalik. Jali oui, comme ça même ça. Ça veut dire, ou pour gagner des sawabs, là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dit, Ma min muslimin, yusibuhu adhan, shawkatun, fama fauqaha, illa kaffara Allahu biha sayyi'at kama tahuttu ash-shajaratu waraqaha. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, n'importe qui musulman qui en dito trapli depuis un épine, depuis un piquant, un petit piquant qui pique jusqu'à plier là où ça, ça veut dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam prend depuis sa piquant là comme étant petit petit dito. Fama fauqaha, et n'importe qui dit au plus que ça, jusqu'à un grand dit au aussi, n'importe qui musulman qui sa dit au là attrape-li, illa kaffara Allahu biha sayyi'ati, Allah subhanahu wa ta'ala li servisa comme un kaffara, li servisa comme un moyen, li prend ça comme un moyen pour effacer sa dimoun là sur péché, comme on nous trouvait dans un hadith précédent. Kama tahuttu ash-shajaratu waraqaha, pareil comme un pied li zet sur une feuille. Alors ici, nous pas trouvé, parce qu'il nous existe des saisons, mais dans mon pays, quand il y a 4 saisons, quand arrive l'automne, vous trouvez dans mon pied, ils étaient tous aux feuilles. Jusqu'à finalement, pied là, ils peinent à feuilles du tout.
Parce qu'à l'hiver, il reste comme ça. Quand arrive le printemps, là, il regagne feuille. Alors, comme ça même, ça dit que quand il y a une difficulté, sur le péché tombé, bah, il commence à pied là, sur le feuille tombé. Pas eux-mêmes, ils ont tombé. Pas besoin de la brise, de rien. Là, là, pied là, il vient sans feuille. Donc, comme ça même, ça dit que il vient sans péché. Et dans l'autre riwayat, quand Abu Saïd al-Khudri, radiallahu anhu, il dit, il fait une rente contre le Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, et il fait une trappe sur l'inze. Pour lui guetter sur la fièvre. Là, il finit trouver un gros la fièvre. Là, il finit d'aller pareil comme ça. Et Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, dit, nous, ben, Ambiya, nous gagnons une difficulté là, beaucoup même, comme on a trouvé, ben, dis-moi, qui a plus beaucoup de difficultés, c'est, ben, Ambiya. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, donc, les récompense, nous, plus que ça. Qui fait arrive comme ça? Qui fait, ben, Ambiya, qui a plus beaucoup de difficultés? Allah, subhanahu wa ta'ala, plus content, eux. Et eux, eux, ben, l'exemple pour nous, ben, pour nous. Nous, nous gagnons beaucoup de difficultés, mais seulement quand nous gagnons d'autres qui difficultés nous gagnons, nous gagnons courage. Hein, nous iman, les raffermir. Fait qu'on m'a dit, ben, Ambiya, Allah, tu mets d'autres comme un dimon qui dans bien tout le temps, comme un les rois qui tout le temps vivent ben la vie extraordinaire, bien joli, joli, pour guetter, vous n'êtes pas gagné tout problème, vous êtes venu comme ça, comme un ben modèle après vous êtes allé, mais ce n'est pas un ben modèle. Dimon, tu cap, dire, ben ça, qui je connais dans nos souffrances, autres? Ça, pour eux, ça, pour nous, un autre affaire. Non. Je t'en passe dans une pire difficulté qu'il y a, à telle façon que personne n'a la terre pour dire qu'il y a autant de difficultés qu'il y a dans l'ambiance. Je t'en même, il y a plus beaucoup de difficultés. Et dans eux même, nous trouvons ça l'exemple. Je t'en même, il fait preuve de plus grande sagesse. Donc, tout bon quelque chose qui est là, bon meilleur exemple qui est là, le sommet de chaque quelque chose là nous trouve parmi man ambiya tout man bon quelque chose qui est là donc en telle façon que personne pas pouvoir venir dire qui ou soit les plus connaît que man ambiya ou soit il n'a plus l'expérience qu'ils ont ou soit il n'a plus beaucoup de souffrance qu'ils ont non Allah sur ban modèle qu'il a envoyé ça donc tout le temps nous besoin apprendre avec eux ça parce qu'ils ont ban modèle et donc Allah subhanahu wa ta'ala fin donne eux sa qualité difficulté là nous prenons l'autre hadith 39e hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu wa an Abi Huraira radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li jiyaki Rasul sallallahu alayhi wa sallam jiya man yuridillahu bihi khayran yusab minhu uswa yusib minhu tous les deux capables jiya celui qui Allah a envie de bien pour lui li fait lien en difficulté ça c'est une autre façon pour mettre lui une autre façon pour trouver lui est c'est lui qui a l'envie de dire bien pour lui, il fait aller une difficulté. Hier, nous s'y trouvons, quand nous avons besoin d'un meaning, d'une signification à nos difficultés, à nos souffrances. Elle a une signification encore là. Nous s'y trouvons hier qu'il est possible que, comme le Coran dit, « Wa ma asabatkum min musibatin, fa bima qaddamat aydikum » n'a peine aucune difficulté qui touche autres, excepté par ce qu'ils ont même besoin de faire avec eux la main. Ça veut dire, ben quelque chose qui nous fait, sur une conséquence, Allah, comme on a trouvé ici, Allah donne nous difficultés pour faire efface à ce péché là. Mais là, une autre façon, c'est qu'Allah envie dit bien pour nous. Il donne nous difficultés. Nous prenons l'exemple d'un dimon qui lit, il tourne lit depuis Allah. Il oublie Allah, il vient rafil, il vient négligent. Dunya, il commence à absorber. Une quelque chose, il commence à absorber. Il commence à éloigner avec Allah. Vous trouvez ça? Dimon là, il quitte zikar un tigin, il quitte namaz un tigin. Il y a aller. Dunya, ça, il risque y aller. Comme un aspirateur, il risque de dire que si il n'a pas fait attention, il gagne des difficultés. Là, nous avons un taouba, il dit retourner. Mais il a dit que quand il commence à glisser, il n'a Allah pas rappelé. Il a les mêmes. Il a les mêmes. Jusqu'à finalement, Wazayyana lahum shaytan ou a'ma lahum. Shaytan embellit les mauvaises affaires qu'ils ont fait. Finalement, il glisse dans la perdition. Qui Allah protège nous. Alors, il dit que Allah envie du bien pour lui. Qu'il y fait? Risque ses oreilles un coup. Hé, hey, attention, n'a pas oublié moi. Risque ses oreilles un coup, fait aller une difficulté, là, il retourne vers Allah. Il fait droit avec Allah. Il retourne contre Allah, il dit, par exemple, pour trouver un dimon qui est en difficulté, ou un mayat, par exemple, ça joue là tout dimon fait namaz. Ça joue là tout dimon bien propre, et n'a pas oublié, personne pas pour guetter à droite, à gauche, personne pas pour continuer de prendre mauvaise habitude pour quelques jours. Quand sa difficulté là, encore peut peser les autres, ça joue là où vous trouvez masjid rempli. Qui fait parce que sa difficulté là, il retourne vers Allah, il fait rappel la réalité.
Alors quand Allah envie du bien pour sa dimon là qui peut glisser, qui peut aller, il rattrape, il risque. Il donne rien de difficulté, il fait du monde là retourner. Et ça, c'est une faveur depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois, il y a une madame, elle plaignait avec un du monde, un grand du monde. Elle dit à lui, vous connaissez, moi j'ai un problème, djinn fatigue moi beaucoup. Moi, pas djinn du monde sérieux, moi. Djinn du monde négligent, moi. Mais, moi, je commence à faire ibadat beaucoup. Jusqu'à finalement, moi, je peux faire tahajjud tous les jours, moi, je peux faire doigt avec Allah. Mais c'est moi, pas peut gagner guérison même, je n'ai pas pu aller même, je peux rester malade même. Là, ça dit mon là, je lui dis, vous connaissez les bons pouvoirs, il était là, reste comme ça même. Il n'a pas dit mon là, soi-disant pour lui gagner un soulagement. Je dis mon là, je reste comme ça même, les bons là. Parce qu'il s'appelle à nos services. Ou pas tiens, je dis mon sérieux. Quand on gagne ce problème là, quand c'est sérieux, on vient, on peut faire tahajjud tous les jours. Ça, c'est une petite chose qu'Allah a envoyé pour rappeler ça dit mon là, pour retourner ça dit mon là. Donc celui qui a Allah envie de dire bien pour lui, les donne rien de difficulté, là ça dit qu'on la retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous faisons droit avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il donne nous sabar dans la difficulté, tout le temps nous retourne vers lui. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.